Bonjour, bonjour à vous. Donc, cette vidéo-là, je vais parler de travailler avec mon pot d'huile. Comme je vais te montrer un peu comment je fais pour travailler avec mon pot d'huile à moi que j'utilise, quel que soit ici dans mon cabinet ou par téléphone, à distance ou par Internet, voilà. Comme je suis en train de faire maintenant. Donc, j'ai ici des statues que je fais moi-même pour vendre ou alors pour mon travail que je présente ici, ici dans les vidéos. Je présente aussi que j'utilise pour mon travail ici pour aider à soigner les gens. Et donc, à faire les soins, ou alors pour la personne, ramener chez la personne pour continuer le travail. Le travail, j'aime pas le travail. Continuer leurs soins chez elles, chez vous. Et donc, je demande si le garçon va réussir, si le garçon va réussir à aider les filles dans la situation qu'elle a besoin et que lui est en train de vouloir l'aider. Si lui va trouver, le garçon là va trouver la solution pour la fille. Et le pendule me dit non. Lui va pas trouver la solution pour les filles, pour l'aider. Non. Lui peut pas. Alors je vais demander si c'est avec des soins énergétiques, si elle a besoin d'y aller chez quelqu'un pour des soins énergétiques. Et le pendule presque répond même pas. Ouais. Et maintenant, il commence à dire non. La fille, elle n'a pas besoin d'y aller chez quelqu'un pour retrouver la réponse. Pour être aidée enfin. C'est Bala. Au fond, voilà, elle va réussir. Je vais demander maintenant si elle va réussir à trouver la réponse avec lui, le garçon. Le pendule me dit que oui, mais qu'il hésite un peu. C'est un oui très petit. C'est très petit oui. Alors je vais demander si les deux vont retrouver la réponse. Si qu'elle a besoin de solution, quoi. Si les deux vont trouver la solution pour cette histoire-là, qu'ils ont besoin les deux. Et là, waouh, 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 mais là,
Donc, les réponses, ils doivent trouver les deux. Les deux, ensemble, vont trouver leur réponse, retrouver la réponse pour la solution là qui, elle, est embêtée. Et alors, là, je vais demander. Est-ce que Louis vient vers elle parler ça? Et donc là, au pendule me dit tout de suite, c'est Louis qui va vers la fille, sa copine, pour lui parler quoi. Et après, vont retrouver la solution. Et c'est ça que au pendule, il dit, viens vite. Alors, je vais demander si la fille, elle doit y aller vers Louis pour parler avec Louis. Le pendule recherche. Et le pendule me dit non. Mais ce que je suis en train de ressentir, ouais. Ce que je suis en train de ressentir et ce que me vient, c'est non. Et maintenant, le pendule travaille très vite, comme vous voyez. Non, vous n'y allez pas chez la personne, chez votre petit copain. Non, laissez que votre petit copain vienne vers vous. Alors, je vais dire, est-ce que c'est ça la bonne solution? Et oui. Ce que je ressens, c'est que vous, fille, vous avez envie d'y aller vers votre petit copain. Mais ça va pas, c'est que j'entends me dire c'est que ça va pas que vous y allez chez votre petit copain. Attendez plutôt que Louis vienne vers vous et vous étalez d'aide, vous parlez ensemble puisque c'est plus correct. C'est ça que ça me vient pour vous. C'est plus correct, mon petit garçon et ma petite fille. Je vous souhaite une très bonne journée. Et c'est ça mon travail avec le pendule pour vous aider, quel que soit ici ou à la maison. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Je vous donne un grand bisou dans le cœur et dans votre cerveau pour que vous trouviez la paix intérieure là dans votre cœur et dans votre cerveau pour que vous façons cette démarche tous les deux et que vous parlez et que vous trouvez la solution pour votre école d'apprentissage pour que vous réussissiez à marcher plus loin. Voilà, à marcher plus loin. Voilà. Ciao, ciao, à bientôt. Ah, et abonnez-vous, commentez, partagez, puisqu'ils peuvent aider d'autres aussi. Je fais un portugais et français. Donc, en portugais, je mets Fatima, ange de moi. Et en français, je mets Maria,
ange de moi. D'accord? À vous de chercher, de voir ce que vous avez besoin pour le moment. À bientôt. Bye bye.